Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très cool, hyper sympa comme d'habitude. Nous allons voir comment donner un rendu cinéma, mais alors oui, vraiment cinéma, grâce à l'utilisation des black bars, encore appelées bandes noires. Nous allons voir trois méthodes différentes pour pouvoir les créer rapidement et bien évidemment facilement. Et pour ceux qui aimeraient aller plus vite, je vais mettre évidemment à votre disposition un pack de bandes noires et de bandes blanches que vous pouvez utiliser dans vos vidéos, vos films, vos documentaires, bref, dans plein de choses super sympas. Alors si toi c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu car ça fait super plaisir et ça aide l'algorithme à mieux référencer cette vidéo. Sache qu'ici on parle de tout ce qui est astuces, montage, matériel, étalonnage, bref, plein de choses hyper sympas qui gravitent autour du monde de la vidéo. Alors si toi aussi cet univers te passionne, n'hésite pas de nous rejoindre en cliquant juste sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Assez bavardé, on passe directement sur Adobe Premiere pour voir les différentes méthodes pour créer ces black bars rapidement et donner ce fameux look cinéma à nos vidéos. On est parti. Voilà, on se retrouve rapidement dans Adobe Premiere pour essayer de voir comment est-ce qu'on va réaliser, du moins donner ce look cinéma. On va essayer de voir la première méthode, qui est une méthode que je crois que la majorité des personnes qui ont l'habitude de vouloir donner ce look à leur image doivent connaître, du moins, je crois. Voilà, la première chose qu'on va faire, la première méthode, on va utiliser les vidéos noires qu'on peut générer rapidement dans Adobe Premiere. Et tenez-vous bien, et du moins, à titre de rappel, toutes les techniques qu'on va voir ici sont utilisées dans toutes les versions d'Adobe Premiere. Voilà, là, moi, je suis sur une version de Premiere Pro 2022. Mais n'ayez crainte, toutes les méthodes qu'on va voir sont utilisables sur toutes les versions d'Adobe Premiere. Donc, la première chose qu'on va faire, on va venir créer une vidéo noire. Et pour le faire, on clique ici sur Nouveau élément. Vidéo noire. Du coup, ça va nous créer une vidéo noire aux caractéristiques de la séquence de notre image. Je vais créer OK. Je vais venir glisser ma vidéo noire là. Voilà. Maintenant, la vidéo noire est déjà posée sur notre vidéo. Ce n'est que normal que ça devienne tout noir. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer les bandes noires? On clique sur vidéo noire et on vient sur option d'effet. On va jouer avec les paramètres de position pour faire cela. Donc, la première des choses qu'on va utiliser, c'est on va beaucoup plus jouer avec la position du haut vers le bas. Donc, celle-ci. Voilà. Donc, moi, je vais créer d'abord ceci. Je vais mettre là. Voilà la première qu'on a créée. Ce qu'on peut faire pour créer la deuxième bande noire, soit on peut dupliquer ici, soit on peut prendre. Donc, on va faire facilement. Je vais mettre là. Je vais tirer. Je viens ici. Option d'effet. Je vais baisser celui-ci. Voilà. On voit plus ma poule. Hein. Voilà. Je vais baisser celui-ci. Donc celui-ci, je vais encore le remonter un peu. Voilà. 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 Ça veut dire. Voilà notre première méthode. Je vais enlever un peu ça. Voilà. Voilà. En quelques clics, on a créé nos bandes noires pour notre vidéo. Mais pour que ça se matche bien et que ces bandes n'affectent pas les parties sensibles de votre image, veillez toujours à faire un cadre vraiment large, c'est-à-dire laisser assez d'espace entre le coin du cadre, entre la tête et l'extrémité du cadre, côté haut, que ce soit comme côté haut, comme côté bas. Donc c'est très important pour que ça ait vraiment cet aspect cinéma là quand vous ajoutez les black bars. J'ai l'impression que la barre du bas est un peu voilà. Voilà, ça c'est la première méthode. On va passer maintenant rapidement à la deuxième méthode. La deuxième méthode ici consiste à utiliser, bien évidemment,
le pack que je vous ai mis à votre disposition pour ceux qui sont un peu plus pressés, du moins ceux qui veulent aller plus rapidement dans leur travail. Et c'est un pack vraiment assez très bien organisé. On va cliquer ici. On va aller dans sur bureau où moi j'ai logé mon pack. Voilà, bande noire. Moi je vais importer. Je vais importer le dossier. Je vais. Oh là là. Ma souris dérange un peu. Moi je vais importer le dossier. Voilà, ici ce sont les bandes noires avec des paramètres très très bien précis pour du cinéma. Très très bien précis. Ce sont les bandes noires inspirées des objectifs vintage qu'on avait dans le cinéma. Voilà. Du moins qu'on avait dans le cinéma, ou du moins qu'on a dans le cinéma. J'ai les bandes blanches et les bandes noires. Bon, pour les bandes noires, voilà, ça se voit pas trop. Je vais prendre peut-être ceci. Voilà. Par exemple, 35 mm classique. Donc, parfois, on peut donner, on peut parfois vouloir donner ce type de rendu à notre vidéo, ou encore on peut vouloir utiliser ceci. Il y a plusieurs styles. Voilà, on peut encore vouloir utiliser ceci, Vintage Cinema Cop. Voilà, ouais, c'est très très, c'est ça, ça représente vraiment ce qu'on veut avoir réellement. Voilà. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Ça, c'est pour les objectifs anamorphiques. Ça, bien sûr, les objectifs anamorphiques, c'est créé aussi sa part de bande noire souvent elle-même. Ça, c'est pour les objectifs anamorphiques. Inspirer des objectifs anamorphiques, autant pour moi. Voilà. Et tous ces black bars sont disponibles en deux couleurs, couleur noire et couleur blanche. On va voir rapidement la couleur blanche. Voilà. Voilà. Ainsi de suite, donc vous pouvez vous amuser à vouloir créer le look cinéma que vous voulez vous-même. Voilà. Maintenant, on va voir la troisième méthode. On va voir la troisième méthode qui est très facile, aussi très simple. On va utiliser les effets. On va aller chercher le recadrage. Voilà, on va glisser sur notre effet, sur notre image, autant pour moi. Une fois qu'on l'a glissé là, on vient venir descendre ici. Attends, on va glisser là. Voilà. On a haut, droite, bas. Donc c'est avec le bas et le haut. On va baisser ici. On a 21 et on met ceci à 21. Voilà. Vous voyez, en quelques clics, on a nos black bars. C'est très bien et c'est une très très bonne astuce. Voilà, donc, et que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider à donner ce fameux look cinéma plus facilement et plus aisément à tes vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. D'ici à là, portez-vous très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao !